pemmican a pourri dans le stockage. J'ai pas fait attention à ça. Est-ce qu'il y a encore... Attends une minute ici, parce que... On va bien entendu régler ça. Alors, le pemmican, il a tenu quand même un bon bout de temps. Tant pis, c'est pas grave. Aliments, non. Qu'est-ce qui resterait qui... qui pourrait encore pourrir là-dedans? Je crois pas. Ah, des cadavres, j'avais mis des cadavres. Oui, des carcasses, mais pas d'animaux. C'était parce qu'il n'y avait plus de place dans mon frigo, quand il y en avait eu un bon paquet. Mais ça ne risque plus d'arriver trop souvent. Ok, on a fait un max de pièges. Ça, c'est sûr. Et on va... Après que t'as fini, je ne redonne plus de pièges après. D'ailleurs, celui-là, je vais le virer. Voilà. J'ai besoin de pierres pour faire de la structure, des murs. Ouais, il dit j'arrête, mais bon, je continue encore un petit peu, hein, j'aime bien. Donc là, il fait 30 degrés, mais on ne dort pas encore, hein, là. Qu'on va maintenir ouvert. Par contre, ceux-ci sont finis. On va étudier un petit peu ici, voir comment je peux refroidir toutes les pièces. Parce qu'en ayant fait un trou ici, plan de riz a pourri. Donc ça, c'est vraiment une grosse merde. C'est vraiment une grosse merde. Pourquoi est-ce que ça pourrit ? Je suis toujours à 28%. Pourquoi est-ce que ça pourrit ? Il n'y en a plus que 5. Et je peux pas les... Je peux rien y faire, quoi. J'ai beau les couper, je m'en fous, je peux rien récolter. Je me demande s'il n'y a pas un... C'est bizarre, hein. Bon, 23. On n'a vraiment plus rien à bouffer, hein. Oui, et donc j'ai plus rien pour les animaux pour l'instant. Ils doivent crever de faim aussi, mes petits animaux. Et donc s'ils crèvent de faim... Non, ça va, ils en ont toujours. Parce que s'ils meurent de faim, ils ne donnent plus de lait. Bon, moi ça va, hein, je vais, comme je dis, j'ai encore beaucoup de lait. On a des œufs et on a du lait. Alors, on fait quoi avec le lait? On va le... Est-ce qu'il a un changement au niveau de la nourriture? Non, je crois que c'est la seule chose qu'il fait, c'est qu'il tient 14 jours. Il vend beaucoup plus cher que la viande. Les gens peuvent le boire direct. Mais il ne fait que 0,05. Tandis que l'œuf, il doit faire 1, je crois, l'œuf. Ou plus. Non, il fait 1 œuf, ça vaut 5 viandes. Un œuf, ça vaut 5 viandes. Donc, il ne faut pas mettre les œufs là-dedans parce que vous risquez de vous en perdrez, puisqu'il ne fait que 0,25. Je ne sais pas. On verra bien. On va continuer à enlever les trucs à 83%. J'aime bien. Plan de riz à pourrir. Ils sont tous occupés de pourrir, mes plans de riz. Là, il pourrit. Ça va. L'autre 28%, il tient le coup. Je sais pas pourquoi est-ce que ça pourrit là. Là aussi, ils pourrissent tous.
temps de croissance, 3 jours. Le truc qu'il y a, c'est ça. Regardez, durée de vie, 24 jours. Voilà le problème qu'il y a. Ça fait 24 jours. Ça fait plus de 24 jours que ça a été planté. Voilà notre problème. C'est pour ça que nos plantes meurent. C'est pour ça que nos plantes meurent. Ok, j'ai compris maintenant. Et celles-ci, elles tiennent combien de temps? On va le savoir. Normalement, la durée de vie est de 46 jours. Voilà la différence. Voilà la différence. Ok. Donc, ce n'est pas un changement de patch, c'est moi qui ne sais pas ce que je fais. Si, par contre, on ne peut pas, que j'arrive pas à planter, je ne suis pas sûr que ça faisait ça avant. Hein? D'accord avec moi. Les petits gars, si vous remplaciez, oui. Allez mettre un petit peu des trucs là-dedans, s'il vous plaît. Les gens ont faim. Merci. Pas aller très loin avec tout ça. Hein? What? Bon. Là, j'ai pas assez de jeu pour tout ça. Comment je vais te couper, toi? Alors, Decker, c'est pourquoi cette fois-ci? C'est pas possible maintenant. Zut. Ah oui, donc, ouais, parasite musculaire, t'en es où là? Zut, ça me fait les deux. Prochain traitement dans 15 heures, pardon. Non, non. Parasite musculaire. Wesh, à toi. Ok. Combien il m'en reste? 13, 12. Ouais, soigne bien, ma belle. 70%, c'est très bien, ma chérie. Le prochain, ça sera ça. Et est-ce que tu es bientôt fini cette histoire? Decker, tu fais quoi? Tu sais, on peut semer 57 degrés. C'est en dessous de 58. Donc là, on peut semer. Et donc, normalement, il devrait pouvoir me semer là-dedans. Et il sait maintenant. Ok. Ok, pigé. Regardez, il m'a tout bousillé. Tout ce qui était déjà à 50%, malheureusement. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire? C'est bien, ça change. Jean. Ok. Oh, tout d'un coup, mon petit.
Bon, le moment, Libellule, elle a dû avoir grimpé un petit peu quand même, cette fois-ci, dans sa construction. Voilà, 17 ans quand même, maintenant. Bon, pourquoi est-ce que nos petits gens, ici, ils ont des petits pépins de santé, d'humeur? Parce qu'on est passé au niveau supérieur, sûr et certain. On est à 81 000, 85 000 presque. Donc maintenant, on va commencer à avoir très mal. Très mal. Tiens, je vais une fois demander à Stan de nous remontrer un petit peu son... Je voudrais voir cette statistique aussi pour voir par rapport à nous ce que ça donne. Ouais, je vais lui demander ça. Maintenant, il a peut-être déjà tourné. Bon, il y a déjà 1000 balles là. Donc, les raids qui vont venir vont être beaucoup plus puissants. Là, on va se prendre, à mon avis, une 12-15 ennemis à la fois. Et pas détendre. Et au moins une dizaine d'insectes à la fois, si on en prend. Si on en a dans le nez. Compte là extrêmement impressionnant, toujours bien sûr. Tiens. Ok. Donc là, il n'y a plus rien à bouffer. Normalement, on n'a pas de problème de. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je regarde maintenant. La bouffe, 13 jours. Oui, sauf qu'on est encore à 1 degré, là. Un jour 3. Et ça, 3 jours. Ok. Va pas me tuer mes cotons, hein. Ils sont à 51. Ouf, c'est bon. Éruption solaire, finalement, c'est pas... Ça dure pas longtemps, heureusement. Heureusement pour nous d'ailleurs, on serait vraiment mal foutu autrement. Toi, tu refais à manger pour les animaux, mais tu sais que les humains, ils ont plus rien à bouffer non plus. Hein. Et on est toujours à une température infernale. On a toujours une température, et cette fois-ci, il n'y a plus assez de patates. Donc, on redémarre des patates. Allez-y, les gars. Plan de ria pourri de nouveau. Oui, ben, on s'en doute. Hein. C'est pas grave. Je voudrais... Vous savez quoi, je crois que là il manque une zone de base. Ouais, c'est bien juste. Ouais,
Bah oui, mais c'est pas grave. Fais l'amour à ta copine qui a besoin de récupérer, qui n'arrive plus à être à 100%. Parce qu'elle a perdu les passés. On a perdu 6 points dans l'attente. On était à 18, on est passé à 16. Et on n'est que très confortable au lieu de. On devrait essayer de monter un peu plus dans le confort. Mais bon, là tu fais plus pour le moment, c'est pour ça. Et ici on n'a qu'une chaise bonne. On va mettre une chaise excellente si j'en trouve une. Je devrais en avoir une, hein. Normal. Excellente. Voilà. Ça, tu vas partir de là. Et celle-ci va venir là. Et voilà, comme ça la personne qui va venir ici maintenant, ça sera un petit peu mieux. Par contre, comme il fait un peu frais ici, c'est un petit peu con. Je vais me déplacer ça plutôt. Ça serait une plus belle idée, une meilleure idée. Bon, le problème de ça, c'est que c'est sale. Hein. Comme j'ai dit, ça donne de la propreté. Vous voyez ici, on perd 5 points de propreté. Mais bon, comme notre pièce est quand même très grande. Regardons ici, vous voyez, j'ai une propre légèrement sale de moins 0,08. Ça devrait plus jouer beaucoup de. Donner beaucoup de problèmes, mais au moins les gens vont être beaucoup plus agréablement mis. Moi je pense qu'ici tu serais très bien, ou plutôt ici. Et ta chaise, ben, tu vas la remettre aussi là. Voilà. Ensuite, il me faudrait une chaise excellente. Je crois que je vais encore en avoir par ici. Il n'y a pas de chef-d'œuvre, non? Voilà, excellente. Tu vas réinstaller ça dans ce coin-ci, ma belle. Voilà. Et le petit dernier, les deux petits derniers qui sont là, on les désinstalle aussi. Ensuite, est-ce que j'ai de la pierre maintenant? La quête expire. Non, Maker, tu viens d'abord. Faire comme ça, ce sera plus agréable pour tout le monde. Allez, pauvre Dan qui transporte ses 38 trucs à la fois. Je vais peut-être plus le mettre là. Je crois que tu as moins de problèmes avec la main. Dan, je vais te remettre en 3 ici. J'ai entendu qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Je te mets en 3 ici et à l'eau, je te mets en 2. J'ai entendu quelque chose. Des cobras en pleine migration. Je suppose que ça va être dans la mauvaise map. Bien sûr. C'est pour ça que je déteste ce jeu. C'est pour ça que je déteste avoir plusieurs colonies. Voilà. Les cobras, on aurait pu venir les buter. Et malheureusement, il m'a bouffé mon événement. Et bon, tant pis. Vous pouvez voir, j'ai mis partout. Hein, j'ai foutu Dieu. J'ai enlevé le métal partout. Mais je crois que je l'avais déjà dit. Donc, voilà. Alors qu'on aurait bien besoin d'avoir un petit coup de main. À ce niveau-là, on ne l'aura pas. Température. 53 degrés, ça pousse les enfants.
Ça pousse, ça pousse un petit peu. Là, nous sommes maintenant au 1er septembre. Une autre petite chose qui doit être changée, c'est maintenant, Grizzly peut aller dehors, ok, mais il n'a pas vraiment besoin d'aller dehors pour le moment. Je sais plus, c'était pas Dan, c'était Allo qui va dehors. Voilà. Et Grizzly va pas aller dehors non plus. Travail, Grizzly, va plus dehors. Pour le moment, tu restes à l'intérieur. Grizzly, tu vas aller faire quoi maintenant? Ok, tu vas te reposer. Bon, ça va, on passe sans problème, hein, on passe l'été, mais on voit qu'on est... Bon, bravo. Tunnel. Tunnel. Grizzly, t'es où? Matériel. Grizzly. Bon, mais mes animaux, ils vont participer, hein. Voilà, là, il est juvénile, lui, maintenant. Bon, il n'y a que deux tunnels, hein. Le chauve, tu vas rester là-bas, sauf que tu dois aller bouffer. Bouge pas de là, mec. Libellule. Tu vas me prendre. Ça, c'est bon. Grizzly, tu fais ça. Decker. Qu'est-ce qui te reste comme saloperie? Des parasites. T'as une bonne manip toujours. Il te manque un œil. Decker, tu viens ici. Masse en uranium. Decker. Dan. Bras gauche, ça va plus. Pas grave, tu vas quand même. Vache. Tu vas te mettre derrière. Allô. Allô. Il y a un bon ici, et où est-ce qu'il est l'autre?
et mes cœurs. Vache, tu me faisais quoi, vache? Ouais. Mes cœurs, prends-toi. Un flingue, là. D'accord. Libellule. On vient ici, ma belle. Je le dis, ok. Dame. Vache, t'es là. Allô? Et mes cœurs. Chauve. Si tu pourrais prendre un petit flingue aussi, peut-être. Bah, malheureusement, ils n'ont pas de casque, hein, mais genre, j'ai pas le temps de les mettre. Tant pis. On va déjà voir ce que ça donne. Hein. Ah, tu peux pas. Ici. Oh là là. Bon, tout le monde doit souffrir, ça c'est sûr. Qu'est-ce que t'es occupé de faire, toi, hein? Petit con, va. Alors, il me reste quoi? Une mégaraignée là, un spélopède et une mégaraignée là. Ok. Vas-y. Alerte critique, hein. Comment a besoin de soi. 13-12 heures.
Il en reste une là et une ici. Ok. Donc, maintenant, toi, tu peux tirer dessus. Toi, mon attacking spélopède. Il n'y a plus de spélopède. Maker. Toi. Ok, celui-là est mort. Ok, donc Lotus amène ici. On va l'attendre tout simplement. Toi, tu viens ici, ma belle. Toi. Enfoiré. Pas grave. Donc, non. Toi, t'es bien là. Toi, ma belle. Toi, tu viens ici. Grizzly, tu viens ici. Ah, mais tu te fous de ma gueule. Jean. Tu reviens par ici. Donc toi, tu restes là. Toi, tu restes là. Jean, tu viens ici. Dame, tu restes là. Libellule, tu restes là. Decker, Grizzly, tu viens ici. Ok. Maintenant, Jean, tu ramasses secourir d'équerre. Ok. Cette bestiole-là maintenant, non pas celle-là, l'autre. Bon, il n'y en avait pas trop. Ennemi, il n'y a plus que des animal corps. Bon, ben on a de quoi bouffer. Oh, un iguane. Il est mort. Il est venu ici dedans, lui. Eh bien, on va t'autoriser, toi. Hein. Voilà. Ok. Donc, comment est-ce qu'on vide? Donc, tous, tac, donc tout le monde, hop. Tac, tac. Alors, Grizzly, comment tu es, mon petit? Qu'est-ce que tu t'es pris dans le nez? Ça va. Decker. On va te soigner.
Alors, qu'est-ce que c'est? Des taillades, fractures, taillades, fractures. Il n'y a rien dans le rouge. Mais il y a quand même. Ouais, je fais. Grizzly, toi, t'es jambe gauche, petite taillade. 18 quand même, hein? Ah, comme ça, c'est bon, tu guéris vite, toi. Celui-ci, vache, un petit. Ici, à la tête. 22, 25, ça va. Normal, hein? Pas de problème. T'as perdu combien? Pas grand-chose, hein? 4,6. 22, 25, ça devrait aller. Tu ne devrais pas garder. Ben, j'espère. Libellule va vous soigner, tout le monde. Toi, par contre. Ok. Alors. Jean. Tu vas secourir d'équerre. Qui va venir ici, d'équerre. Ces trois-là, je vais pas en faire des. Je vais pas en faire des lits comme ça. J'ai le lit de grizzly. J'ai le lit de. Allô. Comme médical. Vache, non, oui, vache médicale. J'ai un, deux lits médicaux, j'ai trois lits médicaux. Et j'ai un, deux, trois, quatre. Et donc toi, tu viens dans la chambre ici pour Grizzly. Et je vais demander à ce que Bam aille le porter. Allô, tu vas pas aller te reposer là, allô. Allô, vache. Allô, vache. Grizzly. Grizzly. Va porter le lit, comme ça tu vas aller dormir dedans. Ensuite, je veux que Libellule reste ici. Alors, qui est le plus amoché? Qui va avoir le plus de pépins? Attends, Grizzly, t'es où? Grizzly, tu es pas de danger immédiat. D'équerre. 12 heures. Vache. Vache a de la manipulation toujours. Donc vache peut encore soigner aussi. Mais je préfère que ce soit Libellule, bien entendu, qui le fasse. Et tu es 11 heures pour toi, alors. Ok. Allez. Allô, je t'ai mis quoi? Je t'ai mis des médocs, oui, ok. Vache, tu peux pas te soigner toi-même, c'est Libellule qui va soigner tout le monde. Alors, il faudra ici, normalement, j'ai dû. En boucle. Alors, ce sera plus gris. Gris dit c'est quoi sur. Est-ce que tu perds de la manip ou pas? 93%. Numbers. Coloniste. Alors, médecine. C'est toujours gris dit quand même. C'est toujours gris dit quand même.
Donc, dès qu'elle est là, libellule, pouf, tu sens d'équerre. Bien. Alors. Se reproduit dans 2 jours déjà. Ben dis donc, ça va vite, hein. Et c'est tout ce que tu me donnes comme gelée d'insectes. Ben mon salaud. Et là, je n'ai plus que 4 de bouffe. Allez. Il fait 60 degrés, donc ça pousse plus de nouveau. Vache, bah tu vas te soigner toute seule. Ah, tu patientes un peu, hein. Tu vas patienter un peu. Ouais, il n'est pas mieux de fonce. Alors, Grizzly. Ah, je peux quand même te mettre là. Ok. On regarde un petit peu la médecine. J'ai quoi? J'ai vache. Bon, ben vache, tu vas... où est-ce que t'es vache? Tu vas aller soigner... Allô? Allez, vas-y ma belle. Ok, libellule. On va soigner Grizzly. Me dis pas que c'est d'équerre encore. D'équerre. Il y a une grippe maintenant. Il y a une grippe. Il y a une grippe. Mais comment tu fais d'équerre? Bon, allez, je vous quitte pour aujourd'hui. Je me suis bien marré. On a eu un petit peu de ce qu'il fallait pour donner un petit peu d'ambiance. Hein. Bon, ça va, il n'y a pas eu trop de méchanceté, ça a été ce coup-ci. Et ils m'ont pas tout cassé, quoi. Ça va, c'était important pour moi. Donc, voilà. Toi, t'as 2 jours. Bon, on va te démolir, bien sûr. Hein. On va te démolir, bien sûr. On va d'abord se reposer. Hein. Allez, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.